reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur mes produits terminés, si je les rachète ou je les rachète pas. Donc bah du coup c'est parti. Donc dans un premier temps j'ai terminé la brume de Victoria's Secret au strawberry et champagne. C'était un de 250 ml, j'avais acheté sur beauté privée. Non, je la rachèterai pas parce que genre il me reste 2 ou 3 et voilà. Donc c'est fraise, des bois et de champagne. Non, je rachèterai pas. Après c'est une bonne brume, mais voilà. Ensuite j'ai terminé le shampoing Frottis, donc normal pour les cheveux normaux. C'est citron? Non, même pas. J'avais eu chez Action, non je ne rachèterai pas parce que ça m'a donné des genres des démangeaisons, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de chez Action le gel douche OMG, donc à la coconut exotique et fleurs. Donc j'avais pas trop l'impression que ça sentait vraiment l'exotique, ça sentait plus la noix de coco. Qui dit moi ce que ça en pense. Tu penses quoi toi? C'est un 300 ml. Non, je vais pas le racheter, pas parce que c'est pas un bon produit, mais parce que j'en ai encore plein à terminer. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini le masque de chez Sephora au ginseng. Oh, je n'ai jamais arrivé. J'ai un singe, donc c'est un masque directement pour le visage, et ça, franchement, j'adore. Donc, non, je vais pas en racheter parce que j'en ai acheté beaucoup pendant les soldes, je crois qu'il m'en reste au moins 3-4. Enfin, mais franchement, c'est tip top ce truc-là, et surtout quand c'est soldé, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé, mais à une vitesse phénoménale, c'est le Dope, donc douche et crème au parfum des orangettes. Donc, c'est Tissiamel Beauté qui me l'avait fait découvrir dans son Facebook, et j'avais eu dans les promos de chez Auchan, et ça sent trop trop bon. Ça sent quoi? Ça sent, pour moi, ça sent plus l'orange, mais il y a l'orange confite. Ça sent, moi j'ai adoré. C'est frais. On croit, il y a du... Ouais, c'est bien, ça sent l'orange avec. Ouais, ça sent l'orange avec du chocolat, et franchement, je l'ai fini en même pas une semaine, il était terminé. Alors que d'habitude, j'aime bien alterner, mais là, franchement, j'ai adoré. Donc oui, celui-ci, je vais le racheter sans hésiter, par contre. Ensuite, donc ça, c'était de chez Action. J'ai acheté le bon savon, donc au lait de poire et fleur de citronnier, douche crème hydratante, sans parabènes, sans colorant. Et sans phtalate, donc ça, moi je trouve que ça sentait plus le senteur de citron. Donc non, je ne vais pas le racheter, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que, comme je vous l'ai dit, j'en ai plein terminé, mais c'est pas un de mes coups de cœur, donc non, je ne vais pas le racheter dans l'immédiat. Ensuite, j'ai reçu des patchs, des feuilles maltifiantes de chez Octoly, donc du site Octoly, mais de la part de ELF. Et franchement, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai rien compris du tout. Pourtant, j'avais beau regarder. En fait, c'était des feuilles que vous mettiez sur le front, sur le nez, sur le menton, etc. Mais franchement, j'ai rien compris. Ça ne tenait pas. Ça tenait pas du tout. Là-dedans, il disait retirer doucement le produit de son enveloppe, appliquer la feuille sur la zone T, déplacer la feuille sur les autres zones du visage. Utiliser toutes les fois où vous en avez besoin, mais franchement j'ai rien compris, donc c'est peut-être parce que moi je l'ai mal utilisé, mais voilà. Donc en tout cas je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas trop compris. Donc par contre, si vous l'avez déjà testé, dites-le moi en commentaire, je serais très ça m'intéresserait vachement de savoir comment on fait. Apparemment que c'est nouveau, donc voilà, mais je ne rachèterai pas. Moi j'ai fini, regarde, je l'ai terminé. En fait, il reste que le petit feuillet rouge, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, en boisson, j'ai acheté des boissons Arizona. Il n'y en a pas tout le temps dans mon champ, donc dès qu'il y en a, bah, je les achète en fait. Donc celui-ci, c'est Ice Tea White Peach Flavor. Donc c'était un de 500 ml et j'ai adoré. C'était pas trop sucré celui-ci, à la pêche. Il y en a un autre qui était vachement plus sucré et franchement, j'ai adoré. Ouais. Et mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas, je crois qu'il y en a au champ, mais dès qu'il y en a, je vais en acheter, ça c'est sûr. Oh, elles sont pas très bonnes. Mais ça, j'adorais. Bon, en fait, de toute façon, ça coule, mon chaton. J'ai acheté également celui-ci, Green Tea Zero, et j'ai, pareil, j'ai adoré. Franchement, c'est ça. Enfin, là, les Arizona, j'adore. Moi, j'adore. Je les aime de trop. J'en bois.
Si je pouvais en boire des litres et des litres, j'en boirais des litres et des litres, mais voilà. Mais ça, je vais en racheter, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé le déodorant Polenia préserve et rafraîchissant. Donc c'est un déodorant bio et j'ai adoré également sa bille en fait. Et ça sent trop bon. Donc c'est un petit, une petite bille par contre du coup. Avec qu'elle est terminée. Ouais. Et ça sent encore. Mais franchement ça sentait trop, enfin c'était trop bon. Donc ça oui, si je peux le retrouver, je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé les cotons démaquillants, les cotons-tiges démaquillants de chez Sephora. Je les avais achetés pendant les soldes et en fait ça c'est trop bien. En fait vous retirez, vous avez une petite partie un peu plus gros, genre un gros coton-tige, et vous avez un petit trait bleu. Vous avez juste à casser le truc et en fait quand vous cassez le coton, la partie bleue, en fait c'est un du démaquillant qui est à l'intérieur, et le démaquillant en fait il se dissout dans la petite tige qui ressort de l'autre côté, et l'autre côté ça fait un coton tige mais moins épais, et du coup vous pouvez retirer le surplus de maquillage ou même quand vous vous démaquillez etc. Et franchement ça c'est trop bien. Donc je pense que comme les soldes ne sont pas terminés, je pense que si je peux en retrouver, j'irai en racheter parce que c'est trop pratique. Ensuite j'ai fini le shampoing SF de L'Oréal, enfin L'Oréal, à l'argile. Donc ça c'est pour les cheveux normaux, à tendance à régresser, et franchement moi j'adore celui-ci, je vous en ai parlé je crois le mois dernier. Je ne vais pas racheter parce que j'en ai encore, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps, et franchement c'est trop trop bien. Vous pouvez garder les cheveux genre 3-4 jours sans vous les laver, c'est trop bien, et c'est sans silicone donc c'est top. Ensuite j'ai terminé de la roche posée Effaclar. En fait c'est un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible sans savon. Donc c'est quand vous avez genre des plaques ou des démangeaisons, mais enfin moi j'ai des, comme je suis tout le temps dans mon fauteuil, bah du coup ça appuie etc. sur certaines zones, et j'ai des zones où c'est un peu plus rouge etc. où j'ai tendance un petit peu à être irritée. Donc du coup j'ai acheté ça et franchement c'est trop bien. De toute façon la roche posée, moi j'aime beaucoup cette marque là. Donc là c'était un de 50 ml, et oui je crois que j'en ai encore un en avance mais en plus grand. Donc je vais peut-être pas racheter comme ça, mais non, parce qu'en fait j'en ai un en avance, je viens de réfléchir. Mais c'est un bon produit. Ensuite, chez Action, j'ai acheté une bougie, merci, à la lavande bois de cèdre. C'est quoi du bois de cèdre? C'est du bois en fait, je sais plus, enfin bref, on regarde tout à l'heure. Non, je vais pas racheter parce qu'en fait ça sentait pas, enfin ça sent comme ça quand on l'ouvre, oui ça sent mais ça parfume pas je trouve, donc non, je vais pas la racheter. Ensuite, j'ai terminé le mascara volume million de cils de chez L'Oréal, et je ne le rachèterai pas parce que c'était dans les flops en fait du mois dernier, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, oui, parce que c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. J'ai terminé le gel douche de chez Yves Rocher Jardin du Monde. Donc ça c'était, ils le font encore de toute façon. C'est sans parabène à la grenade. Donc non, je ne vais pas le racheter parce qu'il m'en reste encore. Et de toute façon maintenant j'adore leur nouveau packaging. Donc je ne vais pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé les démaquillants comme ça de chez Auchan. Donc c'est les 100 démaquillants, donc c'est ce que j'en avais plus. Et franchement, ils sont tip top, ils sont pas chers, ils sont même pas à 90 centimes. Donc oui, je vais en racheter. Tiens. J'ai terminé également des patchs. Donc des patchs chauffants, en fait, c'est comme les Hansa Plast de chez Action. Et franchement, c'est tip top. Donc ça, quand vous avez commencé à avoir mal, etc., genre des petites courbatures, etc., vous pouvez les mettre. Alors pas plus de 3 heures, par contre, parce que sinon, ça vous chauffe, mais... énormément, et voilà. Mais par contre, si vous avez la sensation que ça commence à brûler, faut le retirer immédiatement parce qu'en fait votre peau ne supporte pas ce qu'il y a à l'intérieur du produit en fait. Donc, tout simplement, mais voilà. Mais ça, je vais pas en racheter parce que j'en ai au moins 4-5 d'avance. J'ai terminé les swap leaves. En fait, c'est les feuilles à la pomme de chez Action. Donc, c'est des petites feuilles en fait. Comme bah, c'est des savons que vous pouvez soit vous mettre sur le visage ou soit vous mettre. Ouais, vas-y. Comme ça, ou pour vous laver les mains. Donc moi j'ai terminé. C'est comme ça normalement.
Ouais, donc avec voilà. plein de petites feuilles vertes. Voilà, donc il y en a 50 à l'intérieur, donc je ne vais pas en acheter parce que j'en ai déjà d'avance, parce qu'avec ça, ils ne font pas tout le temps. Enfin, des fois, ça dépend des arrivages, des fois ils en font, des fois ils n'en font pas. Et du coup, quand il y a un produit qui me plaît, que c'est pas trop cher, on pense que c'est pas trop cher, du coup, je suis un petit peu mon ravitaillement, on va dire. Et voilà, donc bah, je ne vais pas en acheter parce que j'en ai d'avance, mais c'est trop bien. Ensuite, toi, toujours chez Arizona, j'ai terminé, donc celui-ci c'est à la mangue, et moi j'adore la mangue, donc je vais pas, enfin je vais pas racheter. Si je le retrouve à Auchan, je vais le racheter, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, ça. J'ai terminé également, c'est de là, en fait c'est des micro-billes, parfum de linge en billes de la marque Lenor, donc celui-ci c'était senteur printemps. J'ai terminé, mais j'ai essayé quand même d'essayer de le faire tester longtemps parce que ça, enfin, je trouve que ça coûte relativement cher. Et c'était dans les promos pour le linge blanc. Donc là, je suis en train d'utiliser le bleu, je crois. Mais ça, ça sent l'entrée, je crois. Trop bon. Par exemple, je sais plus le prix, mais là, c'était en promo. C'est dans les 3 euros. Oh non, c'est beaucoup plus cher que ça. Ouais, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc c'est pour ça que quand c'était les promos pour les linges blancs, j'en ai acheté, et ça c'est, ça sent trop bon. Je vais pas en racheter tout de suite parce que j'en ai d'avance un 200 grammes, mais franchement c'est tip top. Ensuite j'ai terminé, c'était Fenty & Co qui me l'avait envoyé, donc il n'en reste pas, c'est simplement parce que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est de la marque Label, donc chacun l'a eu à Intermarché. C'est douche smoothie ananas et guarana aux extraits de fruits. Donc moi j'ai adoré, donc de toute façon j'avais fini en peu de temps. Par contre je l'ai fini en peu de temps, mais sauf que au bout d'un certain temps l'odeur était un petit peu écœurante, je trouve. Je l'ai un petit peu mis de côté un moment, et j'ai pris un autre gel douche, mais c'était trop bon, enfin ça sentait super bon, mais ouais, quand on met trop longtemps, je trouve que c'est un peu écœurant, mais ouais. Mais là c'est que de l'eau, hein, vous inquiétez pas, j'ai même pas gâché, donc voilà. Donc je ne vais pas le racheter parce que j'ai pas d'Intermarché. Ensuite j'ai terminé le cottage au caramel, donc c'est un gommage au sucre. Donc c'est pareil, c'est Laurence qui me l'avait envoyé lors d'un swap. Alors ça, je dirais que c'est plutôt pour l'hiver, pour le printemps, etc. Pas pour l'été. Mais comme j'avais commencé, bien que je le termine à un moment ou à un autre, et ça sent trop bon. Donc ça sent le caramel. Ouais. Donc je vais pas racheter parce que j'en ai quand même pas mal à terminer, donc si je peux le retrouver, par contre je sais que je peux le retrouver chez Tati, etc., je rachèterai, et c'est sans parabène, donc voilà, mais ça sent trop bon. Ensuite avec Enzo on a terminé un sachet de Kit Kat Pop Check qu'on a acheté chez Action il y a pas longtemps, voilà, hier ou avant-hier, mais j'ai pas encore eu la vidéo. Donc voilà, donc on a terminé en même pas une journée, donc c'est trop bon et c'est pas cher du tout, donc voilà. Donc ça, si je peux en racheter, j'en rachèterai. Ensuite j'ai terminé des lingettes pour, en fait ça fait office de papier toilette, donc c'est des lingettes humidifiées en fait, et ça c'est bien quand vous êtes en rupture de papier toilette. Moi c'est ce que j'ai, et franchement je les adore, donc je vais en acheter, je les ai eu chez Action, c'est quoi, même pas 1 € je crois, les 72 feuilles, mais c'est trop bien. Donc ça fait pas office de lingette intime, parce que les lingettes intimes vous pouvez les utiliser mais pas tout le temps parce qu'il y a un moment où ça hérite. Dans des cas c'est vraiment spécifié pour les papiers toilettes, donc vous pouvez les utiliser tous les jours, il n'y a pas besoin, enfin vous n'aurez pas d'héritation en fait aux parties intimes, etc. Donc ça c'est trop bien, donc si vous avez une Action, et je peux que vous les conseiller. Et plus rien donc. Donc voilà, bah du coup c'était tout pour cette vidéo sur mes produits terminés. Si je rachète ou je rachète pas. En tout cas, moi, enfin nous, hein, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. Ciao.